Je savais pas en fait les permis, t'achètes ça sur internet en fait. Tu mets ta carte sur internet, t'achètes ça comme ça et tu l'imprimes via le mail quoi. Normal. Aussi, ouais. Oh tiens, Blal Russe. Oh non. C'est Stone. Arrête. Ton copain. Si, il est connecté en haut 01, Terre, je crois, machin. Oh, ah Piston oui. Piston, hop, Piston, hop, tu veux le lien de mon stream? Le lien de ton stream? Bah tu le mets sur le... Tu le fais, tu le mets. Ouais, bah, j'y vais. Normalement, en cliquant sur toi, on doit pouvoir aller directement sur ton stream. Mais je sais pas si je l'ai mis dans le... Je l'ai fait tout à l'heure. Je sais pas comment on fait ça. J'ai même réussi à activer l'overlay là. Au bout de deux jours, ça y est. Bon, j'ai pas grande touche. Hein. Et puis il pleut à mort. Où? À la 18. Ouais, ouais, mais moi aussi, pareil. Ah ouais, il pleut. Oh là là, et puis ils annoncent de la pluie et de la pluie. Oh là là, de l'orage là, c'est parti. Hein. Ouais, peut-être que tu veux aller au bord de l'eau pour que tu aies vu, c'est bon. Et on pêche, il faut pêcher le quand il pleut aussi, hein. Ouais, mais IRL, quand tu pêches au bord de surface, c'est mieux. Ah, je dis pas, mais la pêche, ça se fait tous les temps. Hein. Et à partir de vendredi, on commence à monter à gris. Pas de flotte, mais gris. Ça se pêche dans tous les temps quand t'as 16 ans, ouais. Bah non, même quand t'as... Après, tu vas au leurre, tu prends une bonne averse sur ta gueule. Ah bah c'est ça qui est bon, quand t'es entre potes, etc. Tu pars... Ah ouais, quand t'es entre potes, mais quand tu... Ah, tu pars quand t'es tout seul, hein. Quand t'es tout seul et qu'il commence à t'arracher, etc. Voilà. Après, je sais que j'ai déjà fait en carpodrome, rester quand il pleuvait, quand il y avait de l'orage et tout. Ah ouais, mais c'est après, t'as le parasol, tout ça en carpodrome, c'est pas pareil, c'est pas comme si t'étais parti au leurre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas comme si t'avais ton petit sac à dos, ta casquette et ton imperméable qui est plus trop imperméable, quoi. Ouais. C'est pas du tout seul, tu pars en vélo, tu tapes 1,5 km à pied, t'arrives au bord de l'eau. Oh la haine! Ça c'est bon! Tu rentres en vélo, t'arrives, t'es trempé. T'as mordu? Ah bah j'ai pas eu le temps de pécho. Il rentre, il va prendre une douche, il ressort, il fait beau. Ah, crois-moi que si je fais 1,5 km pour aller faire de la pêche et qu'il drache, je reste et je pêche. Ah bah. Bon, une fois que t'es trempé. Bah ouais, voilà, une fois que t'es trempé, que tu t'es trempé. Non, il pleut pas, tu montes sur un tronc d'arbre, t'es en plein milieu, tu traverses les temps, tu glisses, tu casses la gueule à l'eau. Putain. Ça va arriver deux fois. Après, on a, si t'es bête, on a un brin quoi. Ouais, mais l'arbre il est en traverse les temps. Et en fait, si tu montes pas sur l'arbre, tu peux pas pêcher parce qu'il y a les branches de chapeau. Ah oui, ok. Et à chaque fois, ce spot à vache. Ah oui. Ah merde, j'ai pas la bonne cuillère. Voilà, il est déjà là. Moi j'ai mis le R à 10 là et je lance mais... C'est parce qu'il faut que tu mettes une GTR. Hein? Faut que tu mettes une GTR, pas une R. Ah ouais. Voilà, pas tous des Skyline. Ah, on roule pas tous en 208 sur circuit, hein. Oh, Perruchon! Ah oui. Et Chris? Il a été pris au lac, le brochet d'Amène 25. Sérieux? Ouais. C'est Christian. C'est Quentin, il nous l'a pas dit, il a été pêché. Non, vu la tête, c'est pas Quentin. Sans canne à pêche, un vélo. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il m'a gratté la mienne hier, donc il en a pas. Et s'il a volé une voiture et une canne à pêche? Et un vélo? Ah non, s'il a volé une voiture, il a plus besoin de vélo. Ah ouais.
Moi, dans 2 ans, j'hérite de l'Empire Playboy et je le sais pas encore. Ah, qui sait. Allez les poissons, soyez un peu sages. Bah là, je trouve qu'ils sont un peu trop sages. Là. Ouais, bah oui, ah. Mais je veux dire sages, soyez gentils, quoi. Allez, donnez-moi des touches, quoi. Appat me, please. Ah là, j'appâte rien du tout, moi. J'appâte juste le temps que je perds. Et ça paye bien la vin, Kev, au niveau des poissons quand tu vas vendre? Bah, le sueur paye bien. Pas le sueur que plus de 20 kilos, ouais, il paye bien. Rocher, là, j'ai fait 5. J'ai fait 60 pieds. Ouais. Et ouais, avec. Bah, là, c'est parce que j'ai pas la skin adéquate, mais je pense qu'avec une skin adéquate, là, je peux faire. Ouais. C'est juste parce que je peux pas passer trop. J'en suis sûr que, ouais. Avec la bonne canne et la bonne puissance, je pense que je pourrais faire facile 120 pièces. Parce que là, il y a plein de pièces que je rate, que je décroche parce que ma canne est trop rigide. Il y a pas. Ouais. Ah, on t'entend très loin, Kev. Okay. Là, ça va mieux. Ah ouais. Ouais. Bouger sur Voice Meter. Bon ben ça mord pas une rien du tout. Putain allez arrêtez de vous foutre de moi quoi. Ah pareil. Je fais rien. Ah oui, ils sont tous au bar les poiscailles. Ah je sais pas. Tais-toi toi. C'est quel chien là qui aboie là? Le mien. Ah non, on va le bouffer au barbecue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ouais, je me tape une carpale, à la sticot quoi. Ça va pas, c'est pas du fiche. Ton gâti. Il va me casser, c'est con. Non putain, allez viens. Ah c'est mort je crois. Putain, à chaque fois je crois que j'ai des touches mais c'est pas des touches. C'est chiant ça. Bah en fait je sais pas, la canne elle fait un truc bizarre et du coup on croit que c'est une touche mais ça l'est pas. Combien de kilos quoi là? 8 kilos. Nickel. Au coup. On va faire un petit broc de 3 kilos. Arrête de... Arrête d'arrêter. Arrête. Eh bien, rien du tout, j'ai rien du tout. Putain, il y a combien de fonds dans ce lac de mort? Plus d'1m40?
12 m/s. Oh, j'espère, ça me fait mal de poissons cette séance là. Jamais. Vendu. Cheater. Tu rigoles, mais au début, oui, mais là, putain. Ah, au début, tu cheatais, tu vois. Ah, je le savais. Je le savais. Voilà, Zoé, t'es vendu. Il y a beaucoup d'apprentis à Aigle ici, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Non, mais on retient, hein. Le problème, on connaît. Maintenant que j'aurais passé de tous mes cheats, j'arrive même plus à cheater, moi. Ah ben c'est bien fait, voilà. Le maître s'est fait dépasser. Ouais. Ouais, ouais. L'élève non, a niqué le maître. Sur la map 18, putain, ça me rend pas tout. Tout ah, le pire, c'est Dame, hein. Le Dame avec ses cuillères. Ouais, mais c'est parce que lui, il a attrapé dans que ça. Il a une cuillère, mais c'est de l'argent que ça y coûte. Ah ouais, vu le pognon qu'il a claqué. Il m'a dit l'autre jour. Il a fait 18 cuillères. Sur 18 cuillères, il y a une qui est bonne à 100%. Oh. Alors, essaye à couper 600 pièces pour faire les 18 cuillères. Hier, 60 craft, une cuillère. Ah ouais, ça fait bon. Et quoi, elle marche vraiment bien les cuillères? Bah ah ouais, mais il faut qu'elle soit bien faite. Ah, mais il y en a qu'une qui marche sur combien? T'en as, ils sont rayés, tout ça, c'est bon. Une cuillère sur 60, ouais, c'est ça? Hein, piston? Ah? Ah ouais. Ouais, une cuillère sur 60, il a. Ah. Et là, bah, ceux-là, je sais pas. Il y a une cuillère qu'il doit avoir. Grave! Il doit y avoir que ça, il doit même plus savoir laquelle prendre. Ouais, 60 cuillères. Non, non, je peux chasser Spinning. Tu pêches avec quoi pour cuire? Ouais, je sais pas, j'en ai 100. Qu'est-ce que tu fais là? Là j'ai typé ma cuillère pour le pourcentage, puis je vois rien quoi. Oh j'en ai touché une là. Ah non c'est quoi? Ah ouais si c'est une autre. Ah, oui il va se taire celui qui touche là. Une cape à mort. Alors on prend un peu plus de rouleaux. On prend 2 rouleaux de plus et puis voilà. T'inquiète, j'ai plié, j'ai viré les pattes. Bah alors Aigle, tu piques plus rien ici. Ouais. Tu pêches à quoi? À l'asticot et à la boulette rouge. Moi c'est je pêche. À l'asticot que j'ai touché la 8 kg quoi. Moi je pêche à la pomme de terre. À la pomme de terre. Ouais, à la pomme de terre sur la canne à coups. Ouais. Dans le feeder au fromage et l'autre feeder une bouillette rouge. Bah moi c'est à la sticot sur la canne à coups et à la boulette rouge sur la figure, sur la match. Un autre match je l'ai mis en pause parce que j'ai plus de fil. J'allais en acheter. Oulala, ma canne à coups elle va casser. Oh elle va casser. X, X. Oh elle va casser. X. Help me please. Non y'a pas de X à faire. Lâche tout. J'ai suivi la petite mémère. C'est quoi mon poisson, tu sais? Un amour à mon avis, parce que vu le départ. Oh mon amour. Hop, je l'ai échoué sur la berge. Voilà ma petite. Un carassin. Et j'ai plus la canne dans les mains. Thank you.
mettre 2,5 kg à la canne à coups. Ah, pour un qui prenait rien. T'as compris ce que j'entends des bruits de canon Non, non, c'est un chasseur, il est en train de tirer dans la forêt. Sur la map 3 ouais. Ah, t'es sur la level 7. Ouais, c'est normal. Ah, ok. Tu vas voir, des fois, il y a des sangliers qui passent. Putain, la carte là, avec la canne à coups. Combien il écrit Piston, pas de méprise. Tu vas voir, le chasseur, il va tirer. Là, je trouve pas le spot à Québec sur la map 3, ça me saoule. Tu tires comme si tu tirais sur les cellules. Tu peux aller là. Il y en a, ou sinon, je sais pas où. Fazar, sur le forum, vous dites. Hein. Putain, que tu es sur la map 2. Ouais, je vais faire un truc. J'aime parler d'aller tout au bout au barrage. Merde, je lance de l'autre côté. Non, essaye vers du côté du 115-127, mais tu te mets un peu plus au milieu. T'as chopé hier où je t'avais dit? Non. Je chope plus rien non plus. T'es dans ta toilette, toi? Non, pourquoi? T'as raison. Non. T'as un AFK bio ou quoi? C'est, tu sais bien que. C'est bien que mon PC est dans mes toilettes. Hein. Ah, t'as jamais qu'à déménager? Oui, tout à fait, tout à fait. T'en disais, tu vois, je vais aller mettre le PC là-bas. Hein, j'avais tellement envie, t'avais tellement envie de pêcher que. Voilà. Bah là, c'est pêchier. Mais bon, pêchier, ouais. Je pêche. Pêchier. Encore une grosse carpe, quoi. Je pêchis. Au cou. Moi aussi, une carpe au cou à la patate. Ouais, je vais venir près de toi, Chris. Je fais tout à l'astico là. Tout à la patate. Il me reste, je sais pas si level 11, il me reste 16 500 XP pour être 12, mais je le devrais pas aujourd'hui. Vas-y, mais j'aimerais bien en faire des plus petites pour les couper, quoi. Ouais, moi aussi, mais. C'est pas le cas. Bah, voilà ma pune, il prend que des petits. Non, 7 kilos. Ma pune, il faut au minimum 500 grammes pour couper le poisson. Ouais. Je sais pas. Bah, maintenant tu sais. T'as un coup, j'en fais plus qu'à la canne match quoi. Merde, moi j'en sors plus qu'au fidèle au coup. T'es où là Chris? Et l'autre jour j'ai fait mes records, il y en a ben, le dernier record je l'ai fait à la feeder, mais le premier je l'ai au barbeau, je l'avais fait à la canne. À la canne à coup? Ouais ouais, là à côté du nénuphar. Le barbeau, tu prends bien là? 2,5 kg à la canne. T'es posté où Chris? Ah moi je suis à 45-60. Ouais, moi je suis à 45-50 aussi, mais. Ah, ouais, je te vois remarquer. Bah, si. Je vais à côté de la Jeep. Attends, tu vois, j'en ai une autre. Moi je te vois, aigle. Ah, ouais, bah j'ai pas fait ça. Ouais, bah, ah, mais t'avais pris une carte de 2 kg. Je vais aussi aller à la moto. Ouais, je vais à côté, quoi. Et mon bouchon, moi je le mets à côté du roseau qui est à gauche. Ouais, quoi. Ouais, moi, ça s'appelle à peu près 1m52 à des roseaux. T'as vu l'arbre en face, le plus grand qui dépasse, dans, qui fait l'ombre? Ça s'appelle ouais, sur le côté ouais, droit. Ouais, ouais. Et ben, je suis ici en fait. Ouais, moi aussi je suis dans l'ombre de l'arbre. Mm. Et mes cannes à feeder ils sont à droite dans les herbes là-bas au fond. Ah, moi, ça s'appelle ma canne match, elle est à côté des roseaux où tu dis toi. Et moi au deuxième arbre qui fait l'ombre. Non, moi j'ai mis carrément là-bas, ils sont dans le fond. C'est là-bas que je pique des barbeaux et des belles. Ah, les barbeaux, je les prenais à côté des roseaux, moi. Ouais, moi j'en ai pris. Bah, et puis la tanche, je l'ai faite là, la tanche or. D'accord. Ça vient de touche, mais je sais pas ce que mais c'est. Une tanche. Attends, c'est une de 2-3 ouais, kilos. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Orline, ça s'appelle. Une de 2-3 kilos, t'es riche. Orline, ouais. C'est quoi, Saint-Lozé? Ah, et la non, c'est moi qui viens de tente le mien. Ah, là, j'ai une touche à la 4 mat, je suis là. Je crois bien que j'essaye de farmer. Je fais plein de soleil, on va sortir la slim de blanc. Les gars, je crois que c'est parce qu'on balaye, il est trop gros que je prends pas de poste. T'as essayé la bouillette verte
keg. Ouais. Ah bah attends, j'en ai un chausson, à la carte match. Ouais. Ah la boulette rouge, j'en ai un. Je sais pas, les badines en acier, prends-le, les badines en cuiro. Encore une carte. On va devoir faire. C'est à peu près 7 dépôts, pareil à peu près. Ah, bien, attends. J'ai tout le monde l'impression que je vais dire, j'ai quoi comme badine. Au revoir. Enfin, moi aussi, je vais te faire 5 kilos. À part si tu fais un choc broché, tu les badines en acier, mais tout ce qui est sur le monde, ça, tu peux mettre en cuiro. Ah, même le brochet, je le fais en fluo. GG. Le brochet, j'ai mis pas de mon acier parce que je l'ai coupé sur du 15 kg en plus. Wow, comment ça se fait? Je sais pas. Pas de normal. Hein, il touche au brochet, il est parti à fond. Pas de mon acier avec mon. J'ai du Simons. Ouais, j'ai du Simons, c'est en fluo. Je sais pas en fait si c'est du fluo ou pas. Eh ben le balignon acier il est vert ou marron et le fluoro il est bleu. Ah bah oui non oui c'est bon j'ai un balignon acier, un balignon en fluoro. Ah mais prends le pas aussi, prends le pas en 15 kilos hein. Profite du quelqu'un bien. Je crois que je vais dire ça. Si un mec en fil il fait je sais pas 13-14 kilos, t'en prends une dizaine de kilos. Il fait 11,5 kg, sauf qu'en fait dans la chasse je me suis trompé, vu que je suis ruiné, j'essaie de pêcher avec quoi. Ah bah, par contre si t'as pas le choix, bah t'as pas du tout là. J'ai pas rien chopé du tout. Le truc à faire que je retente sur la map 7. Oui, j'ai un map 7. T'es 4,90. Pour les bannir en fleuro de Fio. On a plus, on a tout acheté. Le carbone, tu veux attaquer à 12 kilos ou sinon j'ai l'autre vert à 8 kilos. Tu veux lequel? Le vert il est en acier, c'est pas très top. Ah bah moi je pêche qu'avec celui-là et j'ai jamais de casse. Ah bah je sais pas. J'ai sorti à 6 kilos avec et ça m'a jamais cassé quoi. Après celui en acier de 8 kilos je l'ai déjà. Ah bah mets le celui-là. On mettait combien de fond là-bas avec le 1 mètre hein, c'est ça? 1 mètre 20. Ah ok, 115. Ouais, ouais mais 80. 80? Ouais. Avec les asticots, ça pourrait aller. Ah, encore une, c'est quoi? Encore une petite carte. Elle est plus petite celle-là. Je tape pas la fille de la fille de. Je vais montrer après sur les grosses cartes. Tu fais ça avec quel appât? Astico. Et c'était quoi l'appât que je t'avais déjà envoyé la dernière fois? Des asticots et des. Le truc arrondi là. Je sais plus. Les capec là, je sais pas quoi, 4 tep. Ah non, c'était pas ça, non, c'était... Attends, okay, tu m'avais envoyé des asticots moi la dernière. Attends, c'est Lino ça? C'est Lino? Non, Chris. Ah c'est Chris, je vais regarder dès que je sors le poisson et... Ouais. Alors, Chris... Le mec qui demande toujours, non je rigole. Bon, demande rien, moi je suis connecté au matin, j'avais plein de trucs dans la messagerie. Donc, ah c'est ça là, ok. Ouais, j'ai regardé combien il m'en reste, et puis je t'en envoie, et puis tu, quand tu verras avec toi, un petit peu, quoi. Non, malheureusement. Non, je n'ai pas assez. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais je l'envoie, Chris. Oh. Mais je peux envoyer quand même, je peux pas envoyer à plusieurs. Pété, ça. Ouais, je t'ai envoyé, Chris. Si. Oh, j'ai cassé. C'est qui m'avait demandé, là? Il y a quelqu'un qui a parlé avec Chris là. Moi. C'est qui? Mais moi je veux un hameçon. Tu veux quoi comme hameçon? Les hameçons de merde là, les premiers, mais en le plus gros que t'as. En rouge? Non, pas les rouges parce que je casse à chaque fois, je casse tout. Mais je vais à 0,1 en blanc. Ouais, voilà comme ça. Ouais. Bah donne-moi 10 balles. Je t'envoie 10 boulettes. Non, c'est bon. T'envoies les pieds. Merde, et tu sais quoi, j'ai cliqué dessus, j'allais appuyer sur le bouton qu'il fallait pas. Attends, j'ai une touche là. Ah, c'est pas
c'est la remontée. Ah bah oh, c'est miroir. J'en ai acheté. Tu veux un 0-1, un sas 0 là. Ouais, de toute façon ça okay. Se trouve dans 5 minutes je l'ai plus. Hein. Ouais ben c'est pas grave hein, après ça donnerait pas d'autre hein. Merci Kev. Ah bah il te l'a envoyé, c'est bon. Non il m'a pas envoyé non. Ah arrête. Il te l'a envoyé, c'est bon. Quel gratteur. Non c'est bon. J'ai un âme sans. Ouais on l'a pas goûté. Je sais pas moi non. Bon je vais mettre du fromage, j'en ai marre de casser. Putain fais chier mon beau bouchon. Essaye le petit bois. J'avais un beau bouchon tout neuf. Ouais bah moi j'ai perdu un. Hey, moi j'ai perdu un bouchon à 69 billets, la pièce. Oh hein. Bah t'es fou toi. T'es riche toi. Et j'ai perdu ma bobine à 60 billets aussi. Hein. Oh putain. Une putain de carte. Sur la map où on est là. Ouais ouais. Mais au 50-33. Tu l'avais remplacé devant toi, t'aurais une bobine, c'est un bouchon. Ouais, c'est clair. Il me faut un bouchon. T'auras l'hameçon. Ah, ça a lâché, merde. Ouais, mais le bouchon, il pourra pas le mettre. Ah, mais pas grave. Ouais, c'est pas faux, ma foi. C'est pas faux, c'est pas faux. Pas loup, j'ai un beau bouchon à te revendre. Bah, après, c'est pas moi qui fais le mieux. Hein. Acheter une bobine à 120 et quelques pièces, et deux secondes après, plus de bobine. Qui a fait ça? Je crois que c'était Weko et Shen aussi. Oh la vache, ça fait mal au cul. Bah ouais. Allez, ah, trié. Ouais, heureusement. Bon, j'ai fait quand même pas mal de petits poissons là. Oh, j'ai la touche au fond. Ça va-t-il casser encore? Non, ça casse pas. Qu'est-ce que j'ai pêché? Un barbeau. Ah tu peux le mettre directement en morceau de viande hein. Non. Je ne tue pas les barbeaux. Ça c'est un poisson, tu peux pas le mettre dans ta bouée sinon il crève. Il a trop besoin d'oxygène. Tu vas voir si t'en piques un gros à la feeder, tu vas croire que c'est une carte. Moi c'est parti à la feeder. Oh, on l'a entendu. On dirait on a la centrale chez nous, tu sais. Ouais. C'est le rouge, c'est le rouge. Oh, c'est un petit, reviens, à l'aise. Et puis j'ai oublié d'acheter tout ce qu'il faut pour faire la mort. Tout ce qu'il faut pour faire la mort. Si tu veux, je te donne des bouillettes. Bon, qu'est-ce que je ramène? Une carpe. Hein. Ouais. J'ai pas du temps, je sais pas. C'est parti loin. Ouais. Oh non, j'ai tendu. J'en ai des touches au cou. Ah. Ah, non, non. Celui-là va partir en tranche de poisson, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et salut à ceux que j'ai pas vu. Ouais, ouais. Ouais. Oh
Bon, remets-toi à zéro, ça le vent. Le vent. Putain, j'ai fait un poisson sur ma journée. Tu t'es fait un poisson ? J'ai fait un poisson. Pourquoi que t'as pêché de 500 grammes, Aigle ? Eh ben, c'est le poisson, 500 grammes, mort, bas. C'est le truc avec les nageoires jaunes, je crois. Oh, ça merde, ça m'a fait flipper. Qu'est-ce qu'il y a ? L'orage, il a pété. Ah bah, j'ai pas entendu. Ah ouais, c'est bien. Un truc de... Ça va péter les oreilles. Ah, t'as mis du sang à fond, quoi. T'as pas la confiance tranquille. Je m'y attendais pas. Fais gaffe à ton ordinateur, il risque d'éclater. Hein. Ah, bah, que le bonhomme a si je prends des gros. C'est normal, t'es monté plus fin. Ouais. 200 grammes. Bon, si c'est un gros gros, bah, il y a des risques d'être coupé. C'est ça, on va mettre. Voilà, je pêche au fromage, j'en fais. De toute façon, je mets toujours le bouchon au fromage, l'autre feeder au fromage et l'autre une bouillette rouge. Ou sinon une marron. Je vais aller vendre les poissons aussi. Oh, moi je colle. J'en ai 9, j'attends. Notre la fin à new de 4,5 kg. Ça fait chier de couper des carpes d'un kilo alors que ça fait qu'une tranche de poisson. Ouais, mais ça s'appelle. Si elle vaut 0,50, je les vends pas, moi. Moi, il me faut encore 0. Combien il me faut là? Il me faut encore 0,7. Oh. À 55. Ouais, mais tu peux pas pêcher la grenouille. Ah, non, non, mais bah, c'est pour en faire. Je sais pas ce que ça va faire, de toute façon. T'auras une grenouille. Hein? Il va couper les pattes d'une grenouille, ouais. Donc il est parti, mon poisson. Pour faire à l'heure, si. T'auras une frog. Derrière la porte. Ils vont tous avoir des pièces. Oh, j'ai raté.
Oula. C'est quoi ça, un Ronab? Un cheval. 1,745 kg. Madame Dino. Alloa. Arrête de tuer ton café, tu vas trouver la tasse. Putain, il passe à travers bientôt. Mais ils vont se taire eux. Non, on va en sortir la cuillère, elle va être plate, tu vas l'avoir usée. Mais je suis en train de faire une cuillère pour lancer dans la rivière. Ouais, c'est ça, j'allais le dire, il va en faire un autre. Il est en train de crafter. Ouais. T'as tout compris. Nous des golds au lieu de tourner ton café. Bah ouais. Bah ouais, on voit un peu de gold. Oh, saleté. Tu vends ton pédalier, tu sais, nous fait plaisir à tous. Ah ouais, ouais, grave, rien que le pédalier, on a assez. Bah ouais, on le fera à main, au pire. Prends les jantes. Hein. Ah, j'ai pas de jantes sur mon plaisir, désolé. Ah bah oui, il était pas là qui est fait. Ah, c'est parce que hier je faisais l'énumération un peu de mon PC. Ah, t'as bien une jambe sur ta roue quand même. Mais non, c'est le volant du PC. Il a un volant avec un pédalier et tout ça. Ah, je faisais l'inventaire de mon simu et... Donc piston, il dit ben revends juste ton pédalier et t'as de quoi faire plaisir à tout le monde de Rushen, tu vois. Bah après si tu veux pas vendre ton pédalier, vends ta femme. Hein. Non, mais ça je le fais déjà, plus personne peut en vendre. Je le fais déjà. Bah vas-y, bah paye nous des golds. Ou Craig il s'est payé comment son PC, sa voiture et... Voilà. Drogue, sexe, alcool. C'est ça parce qu'ils savent pas encore toute la voiture qu'il a non plus, c'est ça aussi. Il l'a déjà dit. Il va venir me chercher avec une Twingo. Putain, ah non, ça c'est Chris. Moi j'ai une Twingo, je veux bien sa Twingo, donc y'a pas de problème. C'est Chris qui va venir avec sa Twingo. Ah mon Twingo, je peux quoi. On va dire que tu dois mettre deux Twingo pour faire sa voiture en longueur. Oh, au moins on va pouvoir mettre des cannes. Y'a pas de problème. pas trop non. Je vais les mettre sur le toit. Ah ouais, donc accroche au becquet, ça devrait le faire. Ça va bien avec un RP. Les cailles ils traversent de chaque côté, tu sais. Oh oui. Quoi, tu sais vraiment pas démonter, piston? Hein? Tu sais pas. Allez, quand t'es replié, t'as combien de longueur avec tes cannes? Ah, mais les cannes à carpe, c'est mort, hein, ils sont trop grandes. C'est 9 mètres. C'est le fourreau, il y a les 4 cannes dedans. C'est énorme. Ah, il fait quoi? Il fait 3,20 m le fourreau. Il rentre même pas dans ma saxo. Et quand tu vas pêcher, tu fais comment? Je suis obligé d'y aller avec mon père ou mon beau-père pour mettre les cannes dans la voiture. Il met une remorque derrière la voiture. Sinon, une remorque. Ah bah ouais, il y a du matos quand tu vas à la carte. Bientôt, piston, il va avoir besoin d'un petit camion pour se déplacer. Ah, bah, passer le permis C. Passe pas le permis, permis B, hein, passe directement au C, direct. Non mais là, s'il me laisse passer mon permis, je m'achèterai un petit C15. Ah ouais, c'était le top ça, C15. Moi mon frère. Mais je veux pas que ta voiture est trop petite pour mettre mon matériel.
Mon frangin, il l'a coupé en deux, son C15. C'est cet ennemi. Il s'est dessoudé au niveau de... entre la cabine et le truc camionnette derrière. Il s'est dessoudé là, le C15. Il peut arrêter l'éclair, là. Qu'est-ce que j'ai été chopé là-bas? C'est quoi un make-up 06? C'est pire son. Make-up 06 bloc bleu par de putain. C'est vrai. Ah, j'ai une couille qui me gratte. Il a ce micro à Blankenberg. Oui, oui. Bon, ou vous entendez trop, vous entendez pas assez. Putain, ces deux-là, ils sont jamais contents. C'est... Ah bah non, moi je m'en fous. Hein. C'est juste que. Ouais, on t'entend. Dans un aquarium. Ouais. Tout là, t'as la pêche, donc t'as un aquarium. Ah, t'as décroché. Ah, bleu rouge. Je t'emmerde. Il fait peut-être un aquarium, on sait pas. S'il a déjà les lumières. Quelle couleur aujourd'hui, rouge, mec? Bah oui, ok. Ça dépend de ce qu'il met à la fenêtre. Il avait pas bien la porte de la fenêtre, de la chambre pour mourir. Telle couleur, je suis de bonne humeur, telle couleur, je vois pas, telle couleur, ça. Fait du morse pour du café, 4 fois le rouge. Ça me saoule là, je pète à 24 mais pas ligne. Dans le chat de la map des élevants, il n'y a que mes records. Je peux jouer avec un banning en flow de 6 kilos. Alors ici, je parie que la poire est bouffée. Par ici, quoi. Non, mais tu rigoles.
pensez quand que ça va s'arrêter ce temps de merde là? J'ai fait un beau barbeau de 2 kilos là. Ouais ouais. GG. Ah GG. Déchire ça. Putain mais voilà le vent hein, c'est relou hein. Ouais bah ouais. Je suis au bouchon là, je galère avec ma canne à coups. Du coup je la pose et je laisse, j'attends que ça bouge. Bah ouais moi aussi hein. Je sais qu'elle a la touche hein, quoi. Tu me laisseras une part dans... du boulot ouais. Genre ne pas poser des pastilles comme sur, par exemple sur le mur derrière toi. L'amour. Ah connard. 3333 XP. On va leur faire péter un câble. On est sur le mode 1, dame, son spot, il y a que son pseudo qui apparaît de, dans son Ah ça descend bon. Ça fait du bien. Un nickname oula. C'est une sardine ça. Pas tes souhaits. Nickname, c'est nom de famille en néerlandais. Y K N E N à l'envers K A. Ah, je dirais une sorte de petite sardine, 21 grammes. T'es à combien toi Chris dans ton level 11? 2150 XP. Je reviens. Moi j'allais faire un petit tour au fond près du sapin couché. Level 7, il marche le maïs.
Oh, pot me, please. Oh, bah merde, ton son, il me rend fou. Ça changera pas d'habitude, hein. On entend... Allez. Ça c'est une grosse tanche. Wouah, 3 kilos, yes. Quel GG. T'as même cette map. GG. La map 12. Au fromage. Un petit capex, 186 XP.
donne. Ouais. De 2 kilos, 517 XP, putain ça taille. Et je prends tout de nuit, c'est fou. Il est 23, il est minuit. Y'a de l'orage? Non. Ah. Ciel dégagé, 23h57. Comme l'autre fois, il y avait eu un orage de nuit, ça arrêtait pas, quoi. C'était monstrueux, c'était affolant. Non, deux poissons devient 30200 XP, quoi. Bah, c'est bon. Bah oui, je suis à 3000 sur 18. Bah, je suis bientôt, je suis à 3000 sur 18. Ah, et alors, t'as vu comme t'étais loin tantôt? Dame, attends que chez moi. Faut que j'aille vendre mes poissons, j'en ai 25 à vendre. Ouf, ouais, parce qu'une fois qu'ils sont en dessous de 95, ça commence à dépérir. Ouais, bah, c'est fait parce que 92, 93. J'ai été mangé, j'ai pas pensé. Je ramène celui-là, enfin, je ramène la ligne, puis je vais vendre. Je vais devoir retourner en map 1, voir. Bah, ça m'étonnerait qu'en en map 2, ça m'étonnerait qu'en map 2 tous les leurs soient dispo. Attends, je vais vendre, je vais aller regarder. Dis-moi ce que t'as besoin. Je te dis quand je suis en magasin. Ouais. Ah non, je suis en map 3 moi. Je suis en map 3 comme 7. Moi. Ouais. Ouais, map 2, je compte pas celle du tuto. Il n'y en a qu'un que j'ai su trouver, quoi. Après, moi, il y en a que deux qui marchent vraiment bien, là, pour le moment. Bon, alors, 25 poissons pour un total de... Oh, 23 de quoi... pièces. De quoi que tu dis qu'il y en a deux, Chris, qui marchent pour le moment? Bah, moi, c'est... les deux qui vont, c'est... la Siberia Icon Fat M005 en bleu. Non, c'est les leurs, il me faut les leurs souples. Leur. Je vais être 25 en sprinting, donc je vais pouvoir mettre les leurs. Je fais 23-4. Bah 23-4, t'es plus loin que moi. Hein. M'a dépassé. Je suis à 22-7. À 25, on peut les mettre, mais ils sont durs à trouver, on n'arrive pas à les trouver. Ouais, de toute façon, attends que je suis pas sur la map 12, ça sert à rien de me prendre la tête. Alors, plus très loin. Ah bon. Bonne cuillère, ça marche aussi. Oh, je sais bien, mais il paraît qu'au leurre, c'est la folie. Ah, il paraît qu'au barrage, on prend du poisson. Ah. Apparemment, il y a un brochet d'âme. 1 mètre combien, jus? 28, c'est ça? 1 mètre 25, non, c'est pas ça, il a dit. Ouais, quelque chose comme ça. Sorti au barrage, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, Ça se peut, c'est le monstre que t'as vu hier. Franchement, c'était pas un gros, mais c'était pas un petit non plus, parce qu'il a, il avait bien beaucoup de têtes, franchement. Ça tombe maintenant, c'est une grosse carpe qui est venue se retourner. Hein. Ouais. De loin, comme ça, tu sais pas identifier, mais... Il a toujours tapé au poisson nageur, hein, c'était une carpe. Mais de loin, tu ne sais pas le savoir. Oui, mais c'est, oui, mais c'est ce que je dis. Si c'était une carpe, on aurait pu taper, on serait encore en train de taper maintenant au poisson nageur. Oh, par contre, si tu l'avais harponné, tu serais encore en train de la travailler maintenant. Ouais, j'aurais plus de carpe. Les 15 000 XP. On va dire en 4 heures, minuit maximum. Grand max 1 heure au matin, je vais coucher. Allez, on va dire 1 heure au matin, ça laisse 5 heures. Il y a moyen, merde. Bon, je regarde des trains et bus. Quelle merde. Comme émission, c'est un train et bus.
le crier. Oh, petite perle. Ah, un petit cendre à mes pieds. 264 grammes. Lol. À mes pieds, j'ai le cendrier. Ah, bah oui, maintenant il a tes pieds. Bah non, t'en as pas. Si. Ah, oui, t'en as pas. Ouais, tiens, ça va être fumé quoi de temps en temps. Ça va, t'arrives quand t'es bien installé pour jouer avec quand même. Je suis de travers, j'ai mal au poignet parce que la souris est trop basse, mais bon, ça va. Je vais le revendre. Pédaler, voilà, shifter, boîte à bouton, fessie, 2500 euros, ça part. Touche bébé, touche. Fiche-toi, va la rater. Il est parti. Combien de pièces moi tout là? Ah oui, quand même, 250. Oh putain! C'est cool hein, qu'on a rien à acheter, on monte vite! Ah, mais je vais en claquer 30 aujourd'hui soir parce qu'avant. Ah ouais, je sais pas si je vais réparer ou pas. Il faut que tu répares avant minuit. Hein. Bah non, mon moulin sur ma. Sur ma feeder, il a 7,5. Quoi? Ouais. Moi je le ferai perso. Comme ça, moi, t'es tranquille. Mais... Celui sur ma spinning, il est à 10, quoi. Et ça suce pas, ça fait 3 jours que je pêche, que les sats, elles baissent pas, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, moi, piston c'est tout, tranquille. C'est pas piston, c'est Bino qui a crié. Ah. Ah. Bah, j'ai pas besoin de le faire, il fallait jusqu'à 60%. Ouais, je sais pas. Bah, je suis à 10, elle a... Ça... Depuis qu'ils ont baissé les trucs, j'ai perdu 0,4 et ils ont fait ça il y a quoi, il y a 3, ah, moi j'avais des trucs à 14-15, je l'ai fait parce que comme ça au moins tranquille quoi. Parce qu'après, si tu dois le faire dans 2 jours, tu peux être en dans 2 jours, l'usure ne va plus aussi vite qu'avant. Je perds plus rien moi, je les utilise pas. Ah, il y a que mon fil qui s'utilise. Je vais pas aller perdre une heure de jeu parce que je dois aller réparer mes trucs. Ta feeder elle s'use pas? Non. Moi, elle avait 19 ou 20% d'usure. Bah, la canne, oui, mais la canne, tu sais pas la réparer, c'est le moulin que tu répares. Bah, si la canne, oui, tu sais réparer. Moi, ma feeder, elle a 4,9 et mon moulin est à 7,5. Et mon fil à 30%. Voilà. Moi, j'étais à 20. Putain, tu ménages ta canne. Hein, tu ménages ton matériel. À nouveau, que t'es bourrin dans tout ce que tu fais. T'entends ton pédalier quand tu joues. Tu m'enlèves les mots. J'allais dire, j'entends encore le pédalier du G25 claquer. Ou le shifter quand il tire son frein. Ouais. Et pourtant, je te jure que ça, je le tire pas fort. C'est le micro qui déclenche et que vous l'entendez. Ouais, mais je t'ai déjà vu jouer. Là, quoi. Il mord l'étanche. Pas tendre. J'en ai chopé une. 63-62. Moi, je viens d'en refaire une. 2 kilos. Sur la map level 12, votre tanche, les gars. Non. Ah, la map level 12, c'était? Non, moi je suis 18. Non, mais les badges. Non, bon, hein, bientôt. Je suis à 3000 XP sur les 18000 pour pouvoir y aller. Et là, t'es map 7? Ouais, toujours. Ouais. Je suis à ton poste, 115-127 avec la prière. Ok. Moi, je suis... J'essaie de prendre des capex et des chemins, hein, c'est ce qui ramène à la map 2. Il faut aller là où j'avais dit, vers les roseaux, là où il y a les quatre pierres par terre.
On mettait à 80 cm de profond avec les asticots, j'ai sorti une tanche de 2,5 kg là-bas. Je sors que dalle moi là-bas. Je farm le spinning sur la map 7 maintenant parce que je suis à 22,7. J'aimerais bien avoir les leurres. Ah, le spinning, ouais. Il a pris son brochet de 3 kg, il est sur la map 2. Ben. Ah, après, il y a le poisson, il est de partout, c'est sûr. L'avantage de la map 7, c'est que tu sais pêcher au spinning et au feeder au même endroit. Et ça mord aussi bien un que l'autre. Et avec le bouchon. T'as dit que sur la map 2, bah, les endroits spinning sont pas forcément des endroits pour pêcher à la feeder ou au bouchon. Donc... Si tu veux farmer les 3 en même temps, c'est mieux de venir à la map 7. Tu te mets un 96-109 là ou 95-108, je sais plus. Là, c'est parti. 44-50. Profondeur 1m10, pomme de terre. Je suis curieux de voir ce que j'ai cassé tantôt avec la feeder quand même, à mon avis ça doit pas être un petit machin. Ça me le fait de plus en plus, hein. ça chope et puis en une fois ça lâche quoi, mais j'ai pas le message comme quoi ça lâche. Ouais pareil, t'as l'impression que t'accroches le fond et que ça se retire direct. C'est pas le fond, j'accroche. Non, c'est pas le fond mais ça fait comme si t'accrochais le fond. Si je fais gaffe que je lâche, il part avec le truc et puis je sais le faire. Ça va tellement vite en fait. Ouais. T'as ton truc qui monte un coup dans le jaune et puis hop ça lâche. Space. Des fausses touches. Comme une fausse touche qu'une fausse couche. Il tape dans la cuillère mais pas au niveau de l'hameçon. Ouais, j'ai une belle tanche là aussi. Attends, c'est une tanche? Ouais, c'est une belle tanche. Un kilo. Son nom 5. C'est IT. IT. Ouais, il est tranché. Oh là là, putain. 1,9 kg. T'as mangé quoi? Il a sucé Popek au matin. Ah désolé, je suce pas les jambes. Ouais. C'est cool, à la spinning, je joue avec les yeux fermés, je m'endors. Moi ça va comme ma feeder est en réparation, je joue Sanson dans le jeu. Sanson et Dalila. Ah ouais, Véronique. 3 Dani. Hein. Faut arrêter de tendre des perches hein, maintenant. Pas mal quand même, on joue en Russian Fishing. C'était voulu. Faut pas lui en vouloir. C'est comme Bébert, quand il mange, il doit descendre. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand il fait, mais il fait descendre. Oui. Quand il doit passer au magasin, il fait pardon, écartez-vous. Oh là là. Bon, tu as arrêté mes conneries. On va être sérieux, là, il n'y a plus de poisson. J'avais des touches de nuit, j'en ai plus de jour. Depuis que j'étais vendu, il fait un poisson. Ah, ouais. il faut mettre la jaune, il fait une lâche. Ah, il est toujours là-bas. Tu vas l'acheter la bleue, moi, après. Tombe bien, j'ai ça, la jaune. Ouais. J'ai été avec la dorée quand il fait soleil, mais là, comme un peu nuageux. Pourtant, j'ai froid. C'est quoi la chanson que tu chantes? Il fait soleil, pourtant j'ai froid, je sais plus c'est qui, c'est Jodassin, je crois. Il est rien. Bah, tu me dis, tu connais déjà pas Christophe et la Dolce Vita, alors. J'ai rien fait pour toi. Bah, c'est le genre de chanteur que je connais les gros tubes qui passent en vieille soirée ou des machins pareils, mais je connais pas tout le répertoire, c'est logique en même temps. Tu peux pas m'en vouloir, j'ai 24 ans. Hein. Pas beaucoup plus vieux que toi. Bah non, bah 7 ans c'est 7 ans. Hein. Mais surtout que c'est des chanteurs des années 70, donc forcément je les ai connus, oui. Non mais allez, je suis en 92, je connais les années 80, toi t'es dans, 4, dans les années 80, donc tu connais les années 70.
c'est cool, t'es en train de ramener le spinning là et tu vois l'impression qu'il arrive de n'importe où. T'arrêtes. Ouais. Parfois, il se pas jette le... sur la cuillère comme un gros crabe. Parfois t'as même pas le temps de le voir arriver quoi. Il se darre là-dessus, un truc de fou. J'aimerais bien me rapprocher pour lancer derrière le petit rondin de bois là, le boulot dans l'eau, à mon avis, il doit avoir des trucs derrière. Que de la pluie là. Un boulot dans l'eau. À la plage? Ouais. Ouais, 115, 127 à gauche. Il y a des rondins de bois dans l'eau. Il y a un roseau et derrière il y a des rondins de bois. Oui. La deuxième plage aussi avec les gros rondins là en face, je suis sûr là-bas il y a moins de piquets sévères aussi. Bah c'est là que je suis, hein, 115, 127. Ah oui, t'as la deuxième toi. Oui, j'ai pas la Jeep, puis celle avant la Jeep. Je crois que t'étais à la selle, à celle où, comment il s'appelait, celui qui nous a dit de pêcher le long des, au bord là. Tyson. Là. Ouais, je crois que t'étais là moi. Non, tantôt là-bas, Tyson il a sorti un Capex de 3 kg. Ah ouais. Je l'ai vu dans le chat. Là, parfois il faut être sûr d'avoir bien remonté ta canne. Je viens de marcher 100 mètres et j'avais pas remonté assez, mon frein se défaisait, du coup je suis sur le bord, je suis en train de mouliner tout mon fil que j'avais laissé traîner. Où la plage? C'est là. Ah voilà, il y a la moto, je dois être là. Je vais mettre la verte pour essayer moi. Ah, le P. Sûr, il doit y avoir du sciure dans le virage à droite. Ouais, dans le virage à côté où vous êtes, il y a du sciure. Hein. 119, 125 là. Ouais, mais du 115 jusqu'à la fin de la plage en face, il y a du sciure. Hein. Quand ma speeder reviendra, je vais me faire gros verre, t'as ouïr. Ouais, mais non, c'était humoristique. Ouais, tu peux en sortir des 1 kg, 2 kg. Hein. Ouais bon, mais tu peux piquer plus gros aussi. Oui, tu peux aussi, y perdre ta canne. Ouais, mais c'est ça le but, c'est de prendre du gros pour que t'XP plus vite. Sinon ça sert à rien quoi. Ouais, mais si je le prends avec la feeder de la première feeder, je t'explique, tu vas voir. Bah il y en a qui sont sortis du gros hein. 17 kg 7 là. Comme il nous dégoûte. Avec la feeder 5 kg. Bon, je vous explique. J'ai ma spinning qui est quasi à mes pieds, il reste 1 mètre de fil. Ouais, Je fais I pour aller voir dans mon inventaire, j'ai une perche de 141 grammes qui apparaît devant mon écran. Ah bah. Je sais pas comment il l'a remontée, elle est remontée toute seule ou elle a sauté sur la cuillère en dehors de l'eau, j'ai pas. Ouais, voilà, ouais, c'était sur la cuillère en dehors de l'eau. Je sais pas ce que j'ai pris, mais ça tire. Un poisson. Oui, ça, merci. Oh, ah, diable, ça on chasse pas. Non, c'est le poisson du blab, il tend parce que c'est Satan. Ah, oh, j'ai décroché, bordel de merde. Comment ça se fait, je vois pas dans le chat que tu décroches. Je suis plus loin que toi. Au piston, ça mort. Vite fait, j'ai fait 3 torches. Okay. Moi j'en ai fait 2, une de 1 km et une de 900 grammes. Mais on a un temps de merde, bah c'est chiant ça. Ouais bah j'attends, j'ai regardé la météo, faut attendre. Ouais. Après cette semaine là, je pense qu'on va avoir que du soleil. Hein. Ah ouais. Attends, j'ai une touche. Bon ça va, j'ai fait, bah, sans vendre les 600 grammes tout ça, j'ai fait 60 pièces là, j'ai été vendre mes poissons. Qui c'est qu'un petit oiseau? C'est toi. Évidemment, roule. Tu as chopé à quoi la tange jaune? Pomme de terre. Fromage. Fromage, c'est pas. Fromage. Ah putain, mais à chaque fois le bouchon il part, je vais faire et prendre. Et t'attends 20 minutes pour la touche là, c'est chier.
Ouais, moi, carotte. Non, mais je prends que des 100, 200, 200 grammes, quoi, c'est une blague. Et oui, parce qu'au au bout, à la fin, il va y avoir la mer qui va faire 3 kilos, 4 kilos. Prends les petits et après, tu vas avoir un gros. Tu vas voir. Ça fait déjà deux que je prends. Putain, c'est qui a chopé un bazar à 29 kilos 144, le Ruiz, là. Ouais, la carte de Tché tantôt à 38. Elle était vilaine. Toujours au même endroit où j'étais. Oh, le Père Noël. Ouais, je sais bien, mais j'ai un autre au bout de la ligne là. Moi, j'ai perdu une beurre que tu m'avais conseillé. Vivement d'être au level, d'avoir 3 feeders, mais super gros level. Bon, y'a rien. Dommage, c'est qu'en montant dans les niveaux, ils font pas, tu sais, genre des pauses cannes pour quand t'as 3 cannes, mettre les. Comme si t'avais un truc de cartes. La map 12 en bateau, c'est intéressant. Y'a pas de bateau à la map 12. Ah bah, comme ça, c'est réglé. Avec la map 20, la map 16 et la map 2. Et voilà. Et peut-être, je sais pas s'il y aura un bateau sur la map, à la dernière map, si on ferme. Hein. C'est une 25 la nouvelle map? Non, c'est pas, je sais pas. C'est pas Ah, sûrement que c'est une 20, à mon avis, on va sûrement faire une 25. Ouais, ou une 22. Ou une 22, 23, comme hein. Les niveaux sont longs, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, 42. Ouais. Ouais, ouais, peut-être. Hein. Ça, j'ai un gros truc, je sais pas ce que c'est là-bas. Ouais, ça me montre. Je vais découvrir un endroit, il est pas trop mal. Une moule. Ouais, j'ai vu. Ça dépend, t'as deux sortes de coquillages. Hein. Ah, ouais, 87 XP, ouais, c'est pas. Ah, là, je vais essayer à 100, 104, là, il y a un truc dans l'eau. T'as des boules aigle d'amorce pour mettre dans l'air. Oh putain, la carte, une tanche, une grosse tanche. Ah. Je sais pas, elle est pas jaune, mais c'est une petite tanche. Ah, 2,3 kg. 2,6 kg. Ouais, j'écoute, c'est une grosse. Parce qu'elle était haut. Petite, 2,6 kg, calme. Ouais, c'est une petite, ouais. Oh, comment le tirer là, départ? C'est pas mal. Toi, t'es sur quel spot? T'es plus sur le même là? Non, 73, 62. Celui-là. Bah en fait il y a deux tables de nuphars tout à côté, alors j'ai balancé une canne juste à côté vers les nuphars. Ah tu testes? Tu fais des essais? Ouais bah en fait j'ai regardé sur le forum et puis le gars est pêché au 113 avec les petits pois, je me suis dit tiens je vais tenter au fromage comme je me suis dit toi les nuphars ça casse souvent des poissons et c'est là où j'ai fait la tanche. Tu me dis si t'arrives à pêcher un barbeau? Bah c'est ça que je fais en fait, j'essaie de regarder mais pour l'instant j'ai 10 tanches. Là j'en ai fait un encore au feeder mais 400 grammes. D'ailleurs je vais couper la tête tout de suite. Je peux voir Oh le poisson j'ai fait 97, j'ai encore un peu de temps. Pas dire j'ai... Oh je parie que j'ai 15. Ah non ça va, j'ai peur. Je peux couper que la tanche de 2 kg hors de question. J'ai peur d'avoir eu un sciure. J'étais persuadé d'être accroché au fond mais quand je fais R il me dit que j'ai un poisson. Et le poisson il bouge pas, il est au même endroit depuis tantôt. C'est un sûr. Ma canne est pliée en deux et il est au même endroit. À demain. Il bouge pas. Ah bah tu le tiens en tension et puis dès que ça lâche tu moulines. Je suis accroché au fond. Bah ouais bah tu le tiens en tension. Et dès que ça bouge. Pourquoi tu cries comme ça, viens décrocher. Ouais. Arrête de crier mon sang. Ah j'ai décroché, merde. Je reviens. Mais un hameçon plus gros. Il décrochera pas la prochaine fois. C'est toi qui partiras avec. C'est la canne qui va s'en aller. Ouais.
J'ai encore une touche là. Je reviens. Maintenant ça un peu plus gros Qui? Bah toi non? Tu pêches à quoi la feeder? Non c'était avec une cuillère. Ah d'accord. Ah, du coup c'était Non non je pêche à la... à l'hypnotique verte. Ok. Et je l'ai piqué en 106-96. Tu vois vers un peu avant la fin il y a un arbre en l'eau là. Mmh, ouais, ouais. Je l'ai piqué juste là. Un bon spot aussi, si on pique quand même assez bien de poisson. Bah ouais ouais ouais. C'est quand même space quand tu piques le cire. Pedro. C'est Pedro les gars. Je vous présente Pedro. Il a fait qu'il a plus de Oh. Encore une belle tanche. 1,7 kg. Manicale. Oui, fais tout votre temps, joue map 16, c'est ça? 18? Non, 12. 12? C'est sympa ça. Je crois que c'est ce que je vais faire en arrivant en map. Ah, j'ai décroché. J'ai décroché. Ah, si, je voulais bien. 120 kg 3. GG. Un beau ça déjà. Pas mort quoi. 1,5 kg t'avais fait non? Ouais je crois, 1,5 kg, 1,7 kg. Ouais. Le jeu qui bug. C'est normal. Alors, une tranche de poisson. Ma canne spinning qui devient folle. J'arrête au bord de l'eau, elle tourne en rond et ma cuillère vole. Il y a un assaut. Ah là, je vais te piquer un truc à quoi 40 cm du bord, ça a stagné et puis ça a démarré en une fois. Quoi. Ça peut être un cendre. Cyprès, ça peut être un cendre. Ah, mais ça tire. La tanche de 2 kg. Hein 10 pièces, la tanche de 2 kg 3. Moi, je sais plus combien, 11, 12 pièces. Moi, je reste à la tanche de 2 kg 6. Pas de sortie. Tiens, Kev, il t'a envoyé un descendre. Hein 1,4 kg. Kev, ouais, il... ouais, merci, là. C'est quoi un cendre, 1,4 kg. Ah, les cendres, ils attaquent toujours au bord. Mmh. 153 record. 153 record à nous. Mais t'as deux qui est à deux. Ah, moi j'ai une semaine de soleil complet qui va arriver là. Bah, tu vois la canne qu'il a envoyée. On a tous la même météo, je pense. Ouais. Ouais, tantôt les autres se plaignaient de la pluie, l'orage, j'avais du soleil. C'est pas sur la même map. C'est la one ça. Ouais, ouais, il a envie. La canne a voulu. C'est ça que je veux. Mais elle est pas ouais, la one avec un mini 14 kilos. Bah ouais, t'es tranquille avec ça. Ouais, c'est tout que je rachète. Je l'ai en triple. Envoie. Non, je déconne.
Grosse touche au... Je vais me l'acheter au niveau 20, je pense qu'elle doit y être, à la boutique 20. Moi. Ah, regarde combien à vous en gold. Je vais me l'acheter. Bah allez. Combien à vous et je regarderai parce que moi j'ai 70 gold, au pire j'en prendrai 2 et je t'en envoie. Oh, elle est pas vilaine cette tanche là. Juste avant, par contre, j'achète mes moulinets. Ouais. Ah, elle est pas vilaine, ouais. La tanche là. Faut que j'achète un moulinet de 14 au minimum. Un moulinet de 14. Ah, bah, ouais, moi je pense que à partir de 2,9 kg la tanche là. En étant ouais. Objectif, à partir de quel level ça vaut la peine d'acheter des gold pour acheter du top matos, du top matos en France. Là, le level 11, ça sert à... Quand tu veux, tu peux acheter ton matos et les décoder jusqu'à quand tu arrives, comme ça, ça passe tes levels. Ah ouais, de toute façon, moi je vais continuer, voilà. Mais... Voilà, niveau 11, voilà, j'ai ce qu'il faut pour choper l'équipement du pot ici. De toute façon, j'ai pas les stats pour donc voilà. De toute façon, quand tu vas arriver au 12, tu vas comprendre. Ouais, c'est ça, j'ai pas non plus les pourcentages qu'il faut pour acheter avec. Les... De toute façon, j'ai déjà arrivé à la map 12. Ouais, moi j'ai regardé pour une bonne feeder la map 12, il faut mettre 13€ dans le web. Entre 13 et 14€, c'est 13€, c'est pour te dire. Quoi, tu veux t'acheter quoi comme feeder? Je te dis ça après, je suis en combat. C'est une rouge argentée, je crois. Model 1. Tu vas aller voir après. Je sais bien, il faut 800 pièces. Toi, ça doit être la Fortuna que tu parles, feeder FD 420. Je sais pas, il faut 800 pièces pour rouler un plus can. Et après, il y a la Siberia Model 1 FD 450 XH. Pas level 20 ? Non, j'ai pas. J'avais regardé la dernière que je pouvais avoir pour mon level 12. Ça fait 30 kilos. Putain, le poisson que j'ai, il est trop bizarre. Parfois, il a la limite de décrocher. Putain, j'ai pas de touche, hein. C'est quoi ce dé? Aigle, t'as acheté quoi, allô? Tu m'as envoyé des boules? Ah non, il m'a pas envoyé des boules. Ah, c'est trop bizarre, le poisson que j'ai. Ah, moi, j'ai juste une feeder qui fait 5 kg, quoi. Et la Sorrento, il descend. Ouais, pareil. Ouais, j'ai sorti une carpe de 10 kg avec le moulinet de 3 et la canne de 5. Sur la moulinet, en moulinet, j'ai le Fishing Spack 3000 S 3 kg. Non. J'ai mis deux jours dans le jeu. Moi je suis content, c'est que j'ai une bonne canne spinning. Et une canne spinning à 16 kg. On verra bien quand je serai là avec. À 16 kg. Je te vendrai la vie des pros. Comment t'as fait pour avoir une canne spinning à 16 kg? C'est comment il s'appelle encore? Tyson qui me l'a donné. La verte. T'arrives à l'utiliser? Ouais, ouais. Mais il sort des pêches de 300 grammes avec. Ouais, c'est carrément ça. Donc, à la peine d'avoir une canne à 20 kg. Et en moulin, il m'a donné je sais plus lequel, c'est un. Il est un peu argenté comme ça, je te dirai après. Quoi, si il me prend pas. Moi, je verrai bien quand je serai level 12 en fait, à ce moment-là. En moulin, il m'a donné le Fishing Lagoon HP 4000S. Oh, la canne, elle était un peu usée là, j'ai été la réparer. Ça m'a pas coûté trop cher. Ça m'a coûté 28 pièces. Donc ça va. Bah, à défaut de 8 ou 200 pièces. Par contre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à sortir ce putain de coucher. Là, j'ai vraiment un gros poisson. Il arrive à la fin de la bobine. Comment ça me fait peur? Ah, on va le chercher. Ouais, mais tu sais, quand t'as la fin de la map, tu sais pas aller plus loin, tu vois. Ouais, mais ça, tu ne l'as pas dit. On ne voit pas où t'es. Au moment où je suis la tête dans l'arbre. Ah, marrant. En plus, je lagais un peu, j'ai mes photos qui sont en train d'exporter sur Lightroom. Aïe aïe. Ouais, mais ça, on ne joue pas vraiment d'autres trucs, je t'ai déjà dit, t'as pas le PC pour. Ah, mais on a le PC pour un jeu, ça coûte tellement. C'est pour ça que je me suis absenté un peu, parce que trier les photos, c'est pas possible. Je vous entendais sur Lightroom et il prend à crever alors. Je vous entendais faire je dirais c'est bon. Autant Photoshop il prend rien, autant Lightroom c'est un bouffeur de ressources, un truc de fou. Non, Photoshop ne prend rien parce que t'as la version portable. Maintenant mais Photoshop en full, tu vois s'il prend. Ouais, j'ai vu que dans un menu ça va faire en sorte de prendre toutes les RAM du PC rien que pour Photoshop, on voit pas l'utilité. Ce qui est bizarre.
Master, tu vois, c'est que je suis à 32 freins et j'arrive pas à le ramener, mais il ne tire pas plus que ça en fait, tu vois. C'est sûr que t'as pas accroché, toi. R, non. Ou alors c'est un caillou qui se déplace, mais. Ouais, scarabée. Il commence à revenir. Je sais pas ce que j'ai chopé. Une perte de 2 kilos. Et pas. T'as, quand tu vois les records, 3,9 kg, je crois, le mec. Avec un leurre que j'ai envie d'acheter, mais qui a pas en boutique. Ils sont trop beaux, c'est des petits spins comme ça, c'est terrible. Allez, putain. Comme ça, ne coûte rien d'aller map 2 avant de partir map 2. Je passerai en map 2, voir s'il y a. S'ils y sont. Je parie que si tu vas en map 1, il y a tellement personne qui retourne qui sont en vente. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais, ou alors tout le monde pense comme moi, du coup, il y en a plus. Qui revienne ce poisson la con là. Je suis au symbole de l'infini et je mouline. Mais... T'es vraiment parti loin. Ça pue le brochet ça. Brochet de 2 kilos, un truc dans le genre. Brochet de 2, 3, 2, 4 maximum. Je le sens. Vous avez un message. You are new message. Ah, je commence à le voir, mais j'arrive pas à identifier ce que c'est. Ouais. C'est quoi? Oh, c'est un bec. Oh, j'ai un gros bug. Ah, voilà. 1,879 kg, mais lol, quoi. Ça va, tranquille, t'auras assez de l'air. D'accord. 260. Ah, c'est un gros et il me donne même pas 0,1. Tu prends une perche de 100 grammes, t'as 0,1. Ouais, mais les perches, c'est qui te donne le plus de pourcentage. Les perches. C'est tout ce que t'as acheté, ça, piston ? Ouais, c'est à moi, tout ça. Ah, mais il est bien, l'homme. Ah, mais il y a de quoi faire des maisons. Il y en a certains que je peux pas encore utiliser, si. Si, je peux tous les utiliser. Ça il m'en faut ça, là le machin là, le twist tout noir là, ah il y en a plus en boutique, ah. Et la première de la deuxième ligne je n'arrive pas à les trouver non plus. La première de la deuxième ligne. C'est pour crafter ça non? C'est pour faire une cuillère sur un, non? C'est du craft. Parce que je les trouve, enfin il y a un mec qui a fait la. Un des plus gros cendres, il est fait avec ça et je le trouvais pas dans la boutique donc je me suis douté que c'est du crasse. Ça c'est Dame qui me l'a passé. La tuisse noire là, il faut que je trouve. Des petits poissons blancs là, l'avant-dernier, il y en a plus non plus. Là, dans les autres boutiques, faut que tu fasses toutes les boutiques. Moi c'est pareil, j'ai fait un peu toutes les boutiques pour trouver mes leurres. Je pense que j'ai de quoi faire là pour aller à map 20 avec tout ça. Ouais mais ça mord plus au PM. Poisson nageur. Ouais. Ouais bah je vais en acheter avant de partir, t'inquiète. Au pire il y a la boutique là. Ah mais non là-bas tous les poèmes ils vont être niqués. Ouais, non là-bas c'est toujours full, il y a tout là-bas. Ouais. Ah il y a moins de joueurs. Là où t'es jamais en rupture de poche. Voilà. Ouais donc je vais aller là-bas. Joueurs, c'est dommage qu'on s'est pas donné des silver aux joueurs hein bordel. Ah, c'est fait exprès parce qu'il y a des, qu'il y a des gens. Bah, ouais, voilà, sinon tu donnes les silver, hop, tu vas acheter mes leurres et hop, tu les rends, tu vois. Ouais, c'est fait exprès. Ça serait trop simple. Bah, c'est chiant parce que du coup, les petits joueurs ils galèrent à trouver des trucs, quoi. Bah, ça pousse les gens à monter leur level déjà. Parce qu'ils savent que bah, quand tu sais qu'au niveau 20, tu t'as tout. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Puis après, bah, au fur et à mesure, quand tu fais du poisson, tu vas voir que ça va. Mec qui travaille, qui a des horaires normaux, qui a un horaire normal, il doit galérer le pauvre. 42 minutes 18 mon moulin encore. Ah non, regarde avec le travail et... Hein? Ah mais il était en pause. Oh bah
pause. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis tu travailles et t'as réussi à monter ton niveau. Mon niveau? Bah t'es niveau 23 sur le jeu. Ouais. Bah après j'ai farmé comme un porc pendant les vacances hein. Ouais aussi eux. Les nuits blanches je les ai pas comptées hein. Encore une tanche, là on prend pas mal, là on prend une tanche, hein. Nickel, là. Par contre, ah, moi, j'ai pas de tarbo, un péché, hein. Pas de touche. On va bien refaire un tarbo. Ah, j'en ai fait qu'un, une tanche. J'ai une carte de 2 kg. Je vais la profondeur. Là, je suis encore. On va voir. Ça ressemble parce que j'étais pas plus tarbo, hein. J'étais peut-être pas à fond, hein. À 60 encore. 70. Qu'est-ce qu'il joue aujourd'hui? Ah ouais, c'est la police. 1, combien au feeder toi Kev en pourcentage? Bébert, on t'entend pas, on t'entend quasi pas. 33,4. Débranche ta perruche. Oh, y a un oiseau qui arrête pas. Je te jure, c'est t'as... ou alors t'en as un dans le jeu, mais ton signal il s'allume tout le temps, on entend un oiseau. C'est quand même pas moi qui l'entends quand même. Pic 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 pic. Moi j'ai des oiseaux dans mon jeu. Moi j'entends pas d'oiseaux. Ouais. C'est parce qu'il a trop fumé qu'il y a un problème là. Là pour l'instant on n'en entend plus. Je te dirai qu'on l'entend. Ça bourdonne dans les oreilles. C'est pas chez moi, j'ai coupé le son du jeu donc. La red stick. Attends, je vais au magasin. C'est dans quelle catégorie ça? Ah, c'est celle au coût? Ouais. 226,10. Ouais. Bah, c'est celle que j'ai été. Je l'ai payé cher. Le nombre de cannes que j'ai maintenant, c'est déconné. Bah, renvoie-moi dans une. Hein. J'ai pas premium. Bah, prends un premium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le mec, il a plus de cannes que moi. Eh, il a. Ouais, c'est clair. Bah, mais dedans j'ai trois fois la bleue de départ et la bambou. Ouais, j'ai la red stick RS16, j'ai la Sorento, la Linea RS78 MH là, et la Corona S60. Ah, c'est 14 kg la canne que j'ai eu, c'est pas 16. C'est la toute verte là, je sais pas si c'est laquelle. Ouais, okay. Vous entendez l'oiseau là? Je reviens. L'oiseau? Ah, on vient d'entendre un oiseau là quand même. Non, il n'y avait pas d'oiseau là. Si, là, écoute. Si, il entend. Ah non, il entend pas. Bah non. Ouais, foutez-vous de moi. C'est chez Bébert en plus. Qu'est-ce qu'il fait avec un piaf Bébert? J'ai pas le. Oh putain. Écoute le piaf. Putain, il doit être sourd dans son casque. Dans On dirait t'as
On dirait t'as un serin à côté de toi, un petit canari là. Ouais. Bah ouais, c'est vraiment ça mec. Il est dopé le pire, putain il suit toute la journée, il est pas fatigué, il a pas envie de dormir un peu. Mets lui une serviette, il va plus chanter. Ouais, mets un truc sur la cage. Mané suit devant ton écran. Putain, voilà comment il doit chanter dans le casque. Non, il a sur, il a son son sur des haut-parleurs, hein, il a pas de casque. Ah ouais. Enfin, il a un casque pour... Je reviens. Ouais. T'imagines dans le casque et on l'entendrait comme ça, il serait sourd, hein. Gros casque de chantier. Ouais, voilà. Il y a couru un truc à chimer, j'ai vu. Ouais, il y a une maison qui a brûlé et l'homme est resté dedans. Ah merde. C'est qui? Pas compris. Ah merde. Celui qui est au rallye au trèfle avec nous. Sorti ton bazar? Moi oui. C'est quoi? T'as un brochet de 2 kilos. Tu m'as même pas donné de pourcentage en plus, t'enfoiré. Je vais te casser la gueule, c'est vrai. Ouais, je me suis assis dans le playsite et il y a une barque à lâcher. Qu'est-ce que tu dis, McFine? J'ai 50% au bouchon. Ah, il y a des whisky sur des vis. Ah, t'as 50%, c'est cool. Ouais. Encore 10% et t'auras le bouchon pour la match. Ouais. C'est pour ça que je ferme les bouchons. Ah ouais, c'est vraiment mignon, on a une mise à jour, de rien oublier. Bien celle, ouais, t'as le temps encore. Ouais, mais je peux te dire que cette fois-ci ne mourront plus, hein. 23h15, j'arrête de pêcher. Ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas ses poissons. C'est ce que vous pensiez, mais non. Non, c'est pas, c'est pas pour... Pour le fait de les perdre, les poissons après une mise à jour, c'est pour le fait de. Tu sais jamais quel truc ils vont devoir modifier dans la base de données pour le patch. Donc ça peut aussi bien te les supprimer que de pas les supprimer. Ça peut, ah ouais, d'accord. Ça peut bugger, ça peut. Tu vois, comme là, il va y avoir le prix de vente qui va être réduit. Ouais, donc là, il vaut mieux les vendre. Une chose est sûre, ceux qui ne mourront plus, je ne pêcherai plus une demi-heure avant. Bon, ça va, les baisses de prix et les augmentations sont pas énormes. Non. Non, 10% seulement pour les bouillettes et patates. Et entre 5 et 10% pour les carpes, les barbeaux, le anguilles. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup. Moi, je me suis dit que j'allais essayer les petites bouillettes là, mais il y en a plus à la map. La map, c'est qu'il n'y en a plus. Je sais pas qui m'a envoyé des jaunes, il faudrait que j'essaye. C'est pour les petits poissons, les bouillettes jaunes? Oh non, tu peux faire des grosses. Ouais, mais je vais mettre ma canne, c'est une 8,5 kg.
que je peux pêcher à la bouillette, map 7, flotteur. Map 7, un ponton. Bah avant la map 12, les bouillettes, on n'aura pas vraiment d'utilité. Moi je suis bientôt 12, hein. Je suis à 12003 sur 18, ce sera pour aujourd'hui. Là je suis en train de... j'ai mon logiciel photo qui travaille et il me fait laguer à crever. Alors. Je suis pas trop chaud de pêcher au spinning, c'est ça que je cherche un endroit pour pêcher au bouchon. Est-ce que tu crois passer level 12 aujourd'hui? Bah facile hein. Je suis à 12.3 sur 18, facile. Oui. J'ai mis la journée complète à faire les 7000 qui me manquaient de mon level 11. De mon level 10. Mise à jour, c'est comme l'autre fois, elle va durer un quart d'heure. Ouais, tout est... tout est préparé à l'avance, à mon avis, non plus qu'à taper. Il y a des serveurs, donc c'est hyper rapide. À 11h, je travaille, là. Il y aura peut-être un petit pas, tu vois, de... genre 50 ou 100 mégaoctets, mais c'est hyper rapide. Ah oh, bah ça, c'est pas une mise à jour, c'est... Non, c'est un patch. Ah, ouais, voilà, quoi. Un truc pour casser les... mise à jour, c'est comme sur Fishing Planet, quoi, 2 gigas, tu vois, ça, c'est de la mise. Oui, 2 gigas, mais il y a moins de choses que dans celle de... Oui. Ah, t'as failli faire étrangler Tchèque avec des conneries. Non, mais sur YouTube, ils savent pas compresser leur fichier, donc... Que ce soit un patch ou une mise à jour, tu téléchargeras toujours tout le jeu. Une fois, j'ai cru, quand j'ai vu une mise à jour, je sais plus la taille et tout, ça y est, ils nous ont tapé... Ah, au vu de la taille de la mise à jour, ils nous ont tapé les bateaux, c'est pas possible. Ah bah non. Ils avaient rajouté 2 poissons. Ah oui, je me souviens, c'est qu'ils avaient rajouté le cendre de mer, là. Non, le brochet de mer. Le machin, il faisait 2 gigas, ils avaient rajouté 3 poissons. Wouah! Faut que tu te mettes en pouf tout talk avec Bino parce que là il y a beaucoup de bruit. J'ai sursauté des. Et il y a une capture son quelque part d'autre parce que là on entend Mary parler, j'ai un boyé. Quand tu dis que t'entends bizarre, t'as ta webcam qui prend le micro là. Ouais, ça doit être ça, ouais. Qui fait ça. Tu parles pas dans ton casque depuis tantôt, tu parles à ta webcam. Est-ce que t'as pas le même son qu'hier, on t'entend dessus.
Ah là, tu m'entendais plus là. Tu ne m'entendais plus là. Putain, mais... On sait mieux là. C'est mieux ou c'est pas mieux? Ah, beaucoup mieux. Ah, c'est mieux. Ah, mais ce que...